Mes petits vautours, mes petits vautours. Waouh, waouh. Il est 6h05 et c'est les yeux bouffis, la voix grave, que je vous propose de me suivre durant toute une journée. Alors c'est parti. Voilà une représentation de ma vie. Ma vie est un carton. Bon, qu'est-ce que vous faites là, vous ? Zoz, est-ce qu'on peut dormir dans le lavabo ? Non, Zoz. Allez, viens. Ne te laisse pas aller comme un... Première chose qu'on va faire, c'est préparer des smoothies pour les enfants pour ce matin. Bonjour. Coucou. Pourquoi tu filmes ? Parce que je fais un vlog sur notre... sur une journée classique. Oh. Qu'est-ce que tu veux déjeuner ? Le smoothie. J'ai enfin sorti le Nutribullet. J'ai acheté un Nutribullet il y a 6 mois. Et ça faisait 6 mois qu'il était dans le carton. Et donc voilà, c'est la première fois que je l'utilise. Bon, après avoir fait les smoothies, je vais préparer les tartines et les lunch packs pour les enfants, pour l'école. Bonjour. Coucou. Vous avez bien dormi ? Oui. Vous avez passé une bonne nuit ? Oui. Regardez, je vous ai fait votre petit smoothie, il est là. Il est prêt, il est délicieux. Plein de vitamines et je vais vous donner votre vitamine aussi, d'accord ? D'accord. Alors, comment tu trouves ? Trop bon. Ah ! Il est 7h06, tout le monde a déjeuné. Je vais aller chercher les vêtements des garçons. Bella, elle est déjà habillée. Les cartons du déménagement, comment faire ? Tu as tout ? Ouais. On est sur un look, les gars. On part sur une paire de bottes. Incroyable. Picobello. Ah oui, maman, pour la nouvelle maison, il faut mettre des produits anti-termites parce que nous, c'est tout en bois. Et donc, sinon, il y aura des termites qui vont être dans les armoires, ils vont manger les armoires et tout va s'effondrer. Quoi ? Il n'y a pas de termites dans notre nouvelle maison. Non, mais dans les bois, il peut y avoir des termites. Mais oui, mais il n'y a pas de termites chez nous, Bella, c'est une nouvelle maison. Mais il peut en avoir. Il pourrait y en avoir, sauf qu'il n'y en a pas. Voilà, je viens d'aller déposer Bella. Donc là, il est 7h38. Ça me laisse vraiment le temps de faire mon quart d'heure me time, ma petite session de sport que je préfère vraiment faire le matin parce que je me sens vraiment en forme pour tout le restant de la journée. Je vais faire ça maintenant et puis après j'irai les déposer à l'école et puis j'irai du coup me préparer pour la journée. Mais si tu ne travailles jamais, tu n'apprendras jamais à lire, à écrire, à connaître plein de choses pour avoir un super boulot que tu adores et pour faire ce que tu as envie plus tard. Comment ça, rien du tout ? Allez, viens, mets tes chaussures parce que tu vas être en retard. C'est déjà fait ? Allez, mets ta veste. Prends ta veste en cartable qui est dans la cuisine avec tes affaires et on est parti. Je vous dis, fais-tu râler avec ses habits, regarde. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, j'aime pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Pourquoi ? Parce que quoi, Jude ? Parce que... Qu'est-ce qui t'embête ? De ma capuche. Mets-la sur ta tête, alors elle t'embêtera pas. Mets ta capuche sur ta tête, au moins t'auras bien chaud et elle t'embête plus. Allez, avance. Vous êtes prêts ? Allez, on est parti. Bon, je pense qu'il est grand temps de faire quelque chose à ce visage, hein, le rendre un petit peu plus sympa. Parce que là, on est clairement sur une gueule de mardi matin, tout simplement. Alors, il faut savoir... Je me suis acheté récemment sur Amazon une gaine pour essayer de réduire mon tour de taille et pour resserrer mes abdos. Je l'ai portée hier pendant quelques heures et c'est bon. C'est périlleux, hein. Bon sang, bonsoir. Je te jure que quand tu l'enlèves, tu te sens vivre, hein.
Nous sommes arrivés chez Carrelage Giovanni, où on va aller choisir tout le carrelage pour la maison. Alors, nous voilà dans le magasin du papa de Stefano. Ça, c'est mon père. Il est là. Regardez comment il est beau. Bon, alors, Stefano, ici, chez toi, chez Giovanni, on peut trouver tout ce qu'on veut pour le sol de la maison, c'est bien ça? Exactement, pour les sols, aussi pour les murs, des meubles de salle de bain. Oui. Et on peut trouver des hommes. Bon, alors aujourd'hui, nous, on doit trouver tous les sols de notre nouvelle maison. Pour tout vous dire, on a déjà un peu regardé avant de commencer à filmer. Et je vais vous montrer ce qu'on a choisi. Buanderie. Du coup, pour le sol, on a choisi ce carrelage-ci. Après, il y en a peut-être encore une autre couleur qui va entre les deux. Non, ça, c'était vraiment celle qu'on a regardée de tout ce qui était le plus. Et donc, voilà, je ne sais pas si on le voit, mais c'est ce que ça va donner. Cottage anglais. Cottage. English cottage. Ici, on est dans la cuisine. On a donc ceci. Donc, c'est du laminé haute pression. Ça tient super bien, donc parfait pour les cuisines, par exemple, ou pour les salles de bain. Et puis, pour la créance. Donc, la créance, c'est ce qui va venir habiller le mur de la cuisine. Là, on a choisi ceci. Avec le petit côté, en fait, carrelage métro. Donc, on voit que c'est légèrement bombé. Et on a aussi le côté un peu vieilli puisqu'il est craquelé avec une couleur ivoire qui va donner parfaitement avec le laminé qu'on a choisi pour le sol. Ensuite, on a déjà fait notre sélection pour la salle de bain des enfants qui sera également la salle de bain des invités. Ouais. En même temps, vous découvrez un peu la boutique. On a vraiment de tout. Hein. Du vintage, du moderne. Et là, regardez, ça c'est magnifique aussi. Hein. Je passe du coq à l'âne. Je sais bien, mais allez, regardez comme c'est beau, c'est beau. Oh, moi j'adore ça. J'adore ce style. Allez, venez. Ça pourrait être beau et ça va faire un joli contraste avec le tapis qui est dans les tons, en les tons plus clairs. Ça, ça peut être beau, hein. C'est très joli. Donc là, les lames sont un peu petites par rapport à ce qu'on a pu apporter, mais c'est le même produit. C'est une suite qui fait 130 mètres carrés, avec partie salle de bain, la chambre, une partie salon et une partie dressing. Une salle de jeu aussi. On aura un mini golf. Mini golf. Et une piste de bowling aussi. Piste de bowling. Une piste de bowling. On a une piste de ski. On a un acrobranche au-dessus de notre lit. Et là, on a une tyrolienne qui va de notre chambre jusqu'au fond du jardin. Directement dans la rivière. C'est parce ça. Qu'on a une rivière au bout de notre jardin. J'hésite à m'installer une fenêtre un peu spéciale qui me permettrait de jouer au golf directement de ma fenêtre. C'est ça. Jusqu'au vers le fond du jardin. Voilà, exact. Mais bon. Quel est ton ressenti ici? Moi, j'ai peur que ça. Qu'il y a un côté un peu trop orange. Donc, je vous présente Alessandro, qui est le gérant, responsable, manager, CEO. Le carrelage Giovanni Billboard. C'est lui, c'est moi. Le seul, l'unique, le grand. Stefano a littéralement pris le contrôle de mon vlog. Exactement. Ça, c'est super beau. Et moi, je. Et en plus, ça, ça se bouge. Oui. Ah, hein. Oh, ça, c'est parfait pour notre salle de bain. Bon, alors, ça y est, on a. Il est quelle heure? Il est 15h56. On est resté là depuis 11h. Et j'ai récupéré une petite fille malade à l'école. Qui a mal au ventre, qui a mal de gorge, les ganglions gonflés. On part sur une angine avec, à mon avis, un truc au bide horrible. Pas gai du tout, hein. Non. Et j'ai eu mal toute la journée et j'ai pas mal. Oh, carme, pilouche, que toch. On va chercher James et Jude, on rentre. Je vais te faire couler un bon petit bain chaud. Okay. Avec un bon petit pyjama, tu vas te mettre dans mon lit. Je vais te faire un petit dîner léger. Et on apprend la dictée. Et on apprend vite la dictée pour demain et on est bon. Ça va? Ah, les garçons sont là. Ok. Coucou. Coucou. Salut. Salut. Salut la caméra. Coucou. Coucou. Qu'est-ce que t'as reçu? Des nouveaux livres. Oui. De chez Alliance Magique. Alors, on a l'aromathérapie magique, lire les runes, la thérapie par le yoga, l'érotisme tantrique, comment retrouver vos vies antérieures, purification, principes et méthodes, l'ayurveda, les massages, les chakras, les huiles essentielles. Alors ici, on a quoi? La voix du mage, ah oui, génial, ça j'en avais entendu parler, et ça va être terrible. Ici, on a ça.
c'est pour vous. J'apprivoise mes émotions en méditant. Comme ça, on peut faire des petits exercices de méditation ensemble. Bon, eh bien, on peut le dire, c'était quand même une journée bien, bien chargée. En tout cas, c'était la première fois pour moi que je faisais un vlog de la sorte. Parce que des vlogs, je peux vous dire que je vais vous en faire avec le déménagement, les travaux, toute la déco et tout qu'on va faire. Donc voilà, la journée là, elle s'achève. Je pense que c'est inutile de vous montrer le repas, les machins, les bains, les trucs, les devoirs. J'imagine que vous vous doutez du quotidien d'une maman de 3 enfants en fin de journée. J'irai sans doute m'asseoir dans mon fauteuil à 22h, comme d'habitude. Non, pas si tard, j'exagère. Allez, à 21h. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu, que vous avez trouvé ça chouette, que vous avez pu rentrer un petit peu plus dans mon quotidien. Je vous fais plein plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je peux mettre la cacahuète ? Tu peux... Que dis-tu ? Je peux mettre la charlotte ? Tu peux mettre la charlotte sur ta tête, oui. Merci. De rien. C'est étrange, hein. Elle est revenue, elle était malade, elle pouvait pas aller à l'école demain, il faut que j'aille chez le médecin, je suis pas bien. On est revenu, on a pris un petit 4 heures, j'ai proposé un petit bain avec des bulles. Et là, soudainement, bizarrement, ben vous l'avez vu à sa tête, hein, tout va mieux. Voilà. Ciao. Beep.